aujourd'hui, on va faire un food challenge. On va manger des marques par ordre alphabétique. Donc juste ici, on a mélangé toutes les lettres. Il y en a 26. Je vais en avoir 13. Et moi, Amélia va en avoir 13. Ben là, d'abord, on doit piocher les lettres. Après, on partira au magasin et on devra acheter des aliments. Donc, par exemple, imaginez, j'ai la lettre A. Je devrais trouver un aliment qui est de la marque qui commence par la lettre A. J'espère que vous avez bien compris. Du coup, là, on doit piocher. Je vais commencer. On en prend 13 chacune. 1, 2, 3, 13. 10, 11, 12, 13. Et bon, j'en ai 13. On va découvrir les lettres que quand on sera dans le magasin. Du coup, au magasin, on aura 15 minutes chacune pour trouver 13 marques des 13 lettres qu'on a juste ici. Donc voilà, on peut y aller. C'est parti! Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Donc je suis arrivée, il me faut 15 minutes pour ramasser 13 marques de nourriture. Bon, je suis en train de regarder, mais c'est vraiment compliqué. J'ai des X, des D, des Q. Je pense pas trop que je vais réussir. Pour m'aider, s'il vous plaît, n'hésitez pas à dire en commentaire si par exemple il y a des marques qui commencent par X, ça m'aiderait beaucoup. Je trouve que 15 minutes c'est quand même pas assez parce qu'il faut que je trouve 13 marques d'aliments. Et je pense que ça va être une minute pour un aliment. Tout mon temps, je vais apprendre ce que j'aimerais goûter ou des choses que j'aime bien. Donc c'est parti. Donc là, on est dans le parking du magasin. Amélia, elle est sortie dehors. Là, il n'y a personne dans la voiture. Et du coup, je vais vous donner ma technique. Je pense dans les rayons des biscuits, bonbons, chips. C'est le rayon où il y a le plus de diversité de marques. Donc je vais aller d'abord aux biscuits et je vais voir dans les rayons d'à côté ce qu'il y a pour pas perdre beaucoup de temps. Parce qu'on n'a que 15 minutes pour 13 lettres. Là, je vais regarder mes lettres, je ne les ai pas encore regardées. Alors, R, je pense que ça va. Je vais regarder juste les lettres les plus difficiles. R, T, T, ouais, c'est un peu difficile. P, non, Pringles, il y a quoi? Prince. Donc, J, je pense que c'est dur, voilà. Donc, j'ai aussi Z, oh, je ne voulais pas. Je pense que ça va être super dur, voilà. Je sais. C'est ma montre. Il y a le I. Le I aussi, je... Ouais, j'avoue, c'est dur. B, ça va. H, c'est un peu dur aussi. Donc, il y a le Z, H, J qui sont durs. Ah, vu que ma montre s'est allumée, je vais demander à Siri une marque en Z. Dis, Siri, donne-moi une marque d'alimentation qui commence par Z. Voilà ce que j'ai trouvé. Aliment commence par Z. Polo, zir, chaise. Mais si, ça commence par polo. Il me donne n'importe quoi. Beignet, protéines, alors que pas du tout. Bref, je vais pas l'écouter. Et je vais... je pense qu'on va rentrer dans le magasin. D'abord, on va faire un tour de magasin. Et après, on va lancer les 15 minutes et on cherchera. Si vous êtes pour moi, likez la vidéo. Comme ça, je gagne. Je trouve pas de M. C'est bizarre. Épidore, oh non, j'ai pas de E. Marc Ripéry, ah non, non. Ah là, c'est P. Pasquier, ah voilà, j'ai aussi la lettre P. Lu, j'ai pas de L. Là, ça me sert à rien. Du coup, c'est parti pour mon tour, donc j'ai O. Ah ben nickel, je sais bien qu'il y a Oreo. En plus, je suis dans les rayons sucreries. Donc, avec ce moment, des oreilles. Qu'est-ce que je peux prendre? De base, je voulais des oreilles jeunes, genre. Des ors, c'est édition limitée. Mais bon, j'ai pas. Du coup, je pense que je vais prendre eux pour goûter. Hop, et après, j'ai pas prendre les. Je le sais. Bon, je pense pas qu'il y en a ici. Le cas. Ça, je sais pas trop qu'est-ce que je peux avoir comme cas. S'il y a rien. Le L. Qu'est-ce que je peux prendre? Le L. Ah, mais oui, la marque LB, lu. Voilà, je compte des cadeaux. En plus, j'aime bien ça. Là, je suis dans les rayons des chips, voilà, ici. Et je pense qu'il y a beaucoup, voilà. Pringles, je peux prendre pour P. Doritos, ah j'ai le D aussi, je peux prendre. Alors j'ai la lettre V. Et regardez, j'ai des amandes, des Vico, j'ai des chips Vico. Là, je suis dans les brioches, dans les pasquiers. Voilà.
J'ai trouvé du H, c'est vrai, il y a Harris. Ah, j'ai pris ça. C'est parfait. Ah, il y a là aussi peut-être, je prends. Je sais pas. Du coup, j'ai la lettre C. Je pense que dans des trucs de chocolat peut-être, mais je suis pas sûre. En ce temps, je vois pas. Il y a Lindt. Non. Aussi, il y a des sucreries. Peut-être qu'il y en a C. Je sais pas où il y en a. Ah, si, tu peux, tu vois. Mais voilà, je prends H. La lettre C, c'est P. Je suis dans un sushi. Ça s'appelle Sushi Market. Et j'ai la lettre S. Donc, je vais pour des sushis. Ça, ça a l'air intéressant. Je suis dans les rayons, il y a du jambon, pâte fraîche, il y a des pizzas. Là, il me reste une seule lettre et il reste 1 minute 30. Donc, je vais te dépêcher à prendre ma dernière lettre et je vais directement à la caisse. Pour l'instant, j'ai croisé 0 fois Amélia. Donc, je ne sais pas où elle est. J'espère qu'elle n'a pas trouvé toutes ses lettres. Comme ça, je gagne. Et maintenant, il me faut la lettre K. Je ne trouve toujours pas dans la trousse de bonbons. Mais si, il y a Kinder, regardez. Vas-y, je vais prendre. Et toi, je peux prendre. Regardez ce que j'ai trouvé en H, Erta. Pendant que j'ai cherché ma dernière lettre, j'ai trouvé ça. Soit je prends le pain perdu, soit je prends ça. Faut que je me dépêche. Je dois trouver le X, mais je le trouve nulle part. Franchement, je ne trouve pas une marque qui commence par X. C'est vraiment dur. Du coup, je suis en train de chercher la lettre U, peut-être dans les paquets de chips, mais je suis pas sûre parce que là, je suis pas en train d'en trouver. Mais bon, non, il y a B, il y a F, il y a C, il y a pas ce que je veux. Peut-être dans un autre rayon, je sais pas. Et non, c'est pas le bon rayon. Peut-être ce rayon. Non, il y a des trucs de biscuits, il y a pas la marque commence par U. Il y en a pas. Oh purée. Il faut que je me dépêche. Hein. Je vais à la caisse, c'est bon. Il me reste 30 secondes, donc c'est parfait. J'ai réussi à trouver toutes les lettres. J'espère que je vais gagner. Donc là, il ne me reste plus que la lettre UX. J'arrive toujours pas à les trouver, eux deux. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire s'il y a des marques qui commencent par UX parce que là j'ai vraiment besoin de votre aide parce que je ne trouve pas, regardez, il n'y a que des... Ça commence par D ou par N et je n'ai pas ça, le D je l'ai déjà fait, il ne manque plus que le UX donc s'il vous plaît aidez-moi et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis encore dans les rayons de yaourt, je ne trouve pas UX parce que là il me reste plus que une minute pour que je me dépêche, franchement. Bon, je pense que c'est un peu un échec parce que je trouve pas le UX. Bon, mes 15 minutes sont déjà passées, je n'ai pas trouvé le UX. Donc bon, c'est pas grave, j'ai pas trop bien réussi le challenge. Mais je trouve que au moins j'ai réussi à en trouver 11. Donc c'est assez. Et là, je vais rejoindre Elina. On est rentré du magasin. Voici ma première celle d'Amélia. On a nos 13 lettres. Donc moi je vais commencer par montrer la lettre P. Une marque de la lettre P. N'hésitez pas à me dire en commentaire quand vous pensez à la lettre P, quelle marque vous vient en tête. Ça P. Et toi? Moi le L. Alors le P P P. Moi j'ai trouvé mes Mikado et c'est la marque. Ok. Bah ouf, tu peux goûter. Donc comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai voulu faire un hamburger. Donc j'ai acheté la marque Président. Voilà, c'est le fromage. Du coup j'ai acheté plusieurs ingrédients pour faire un hamburger. Voilà. J'ai acheté du fromage. La lettre c'est P, c'est Président. C'est parfait. La marque lui fait beaucoup d'autres biscuits. Et j'étais un peu. Vu que je suis un peu indécise, j'avais un peu galéré, mais c'est pas grave, j'ai pris Mikado. Allez. La prochaine lettre c'est J. D. Je me rappelle déjà ce que j'avais pris. Alors j'ai pris Jaquette. Voilà, c'était du pain pour faire les hamburgers. Donc là j'ai le fromage, j'ai le pain. Du coup j'ai pris Déclare. C'est encore des biscuits. Tu veux goûter avec moi? Non, oui. Wow, rien. Wow. Oh, ceux-là ils ont l'air trop vrai. Je peux ouvrir une grosse bouteille. C'est trop bon. Trop bon? C'est vraiment trop bon. Non, c'est quoi ça? Chocolat. Un petit.
Prochaine lettre, c'est... La lettre, c'est I. Moi, c'est E. Qu'est-ce que j'avais pris? Je vais essayer de deviner ce que j'avais pris. Ah si, j'avais pris une boisson. Ouais. C'est... Ça s'appelle comment déjà? Innocent. Voilà, innocent. Et j'aime trop les aliments qui sont bleus. Tout ce qui est bleu, j'aime trop. Donc là, je vais goûter. Il y a goyave, ananas, pomme, spiruline et vitamine. Bah moi, si j'ai pris une boisson, c'est écolo. C'est du jus d'orange et bah, c'est bien. Alors, on va goûter le super bleu. C'est un super smoothie. Mmh, il est bon. Moi, j'aime trop. Goûte. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Là, il y a Daniel qui vient juste de rentrer de l'école et on va lui montrer ce qu'on a acheté. Il mange déjà. Salut. Du coup, comme Daniel, ça, là, c'est la lettre W. C'est quelle lettre? Je vois à travers. V, interview. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pris déjà? J'ai pris du fromage. Ouais. Vieux pané. J'ai jamais goûté. Wonderful. C'est des pistaches. Ça sent bon, hein. Sens. Ah, c'est bon. Moi, j'aime bien le fromage. Hey. Mais goûte, Daniel, tu dois. Ah, donc là, elle, tu goûtes. J'aime pas ça. Le fromage, j'aime pas. Ouais, toi aussi t'aimes pas le fromage. Wouh. Prends. C'est la lettre F. S. Moi, X. Et j'ai pas trouvé la lettre X. Voilà. T'as pas trouvé? Non. Mais tu m'as dit t'avais tout trouvé. Ah, t'as déjà perdu le challenge. Moi, j'ai trouvé toutes les lettres. Donc S, qu'est-ce que j'ai en S? Je m'en rappelle plus. Daniel, t'as une idée? Sprite, peut-être? Non. Ah oui, c'est vrai. Sushi Market. Du coup, j'ai choisi ces sushis. J'ai jamais goûté, ça a l'air super bon. Donc, on va goûter. C'était comme si c'était en forme de sandwich. Alors. Tu veux goûter? Non. Ok. Moi, je me dis, ben, moi, tu me demandes pas? Es-tu sérieuse? C'est trop bon. Alors là, il y a du thon et là, il y a du saumon. Tu veux quoi? Le thon, il est là. Tiens, bah tiens. A few moments later. M. F. Quoi? Milka! Oh là là, j'aime trop ces biscuits. C'est mes préférés. Ok. Bah, trop bon. Ah oui. On veut pas, j'avais acheté ça. Du jambon? Bah mange le jambon maintenant. Aïe. Ah, j'ai un petit morceau parce que de base je mange avec du pain. Donc voilà. Trop bon. Mais c'est ce que vous préférez. Aïe, c'est quelle lettre ça? Z. G, ouais. Z, ça c'est la lettre la plus difficile pour trouver une marque d'aliments. Alors, Z vraiment c'est, je suis arrivée à la caisse, j'avais pas trouvé d'aliments donc pour le Z, la marque. Et là, j'arrive à la caisse et ça m'a sauvé. Regardez. J'ai trouvé des vitamines pour le sommeil. Il y a plein de vitamines qui sont de la marque Zoé. Voilà. Je vous jure, c'était. J'arrive devant la caisse et là, je trouve ça, je prends. Et c'est parti. Et moi, j'ai encore pris des biscuits. Ah, t'as fait à fond sur les biscuits. Il y a que ça. Et c'est. Gavotte. 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 Franchement, là, j'ai plus trop faim, quoi. Je vais juste regarder à quoi ça ressemble. Eux, j'aime bien. Bon, je vais garder pour la prochaine fois parce que là, j'ai pas trop faim. Voilà, ils sont comme ça. Je peux goûter? Parce que ça, ça me donne envie de goûter par contre. Mmh. Et tu as tant dormir. Tiens. Est-ce que tu avais ton... Tu veux? Mmh. Tu veux pas? Oui, j'en ai pris deux. À la fin, il y a un goût bizarre. Ok. Bon, Daniel, lui, il va goûter mes biscuits. Ça a l'air bon, hein. Ah ouais, t'en mets partout. Alors c'est bon? Oui. Ok. T'as préféré quoi, ça ou les vitamines? Ah. Allez, la prochaine lettre.
N. N. Q. Ok, qu'est-ce que j'ai pris pour N? Ah, je vais essayer de me rappeler. Alors moi j'ai pris du Nutella. Voilà. Pour moi le Q c'était vraiment difficile à trouver, mais j'ai enfin pu le trouver et c'est Kaker. C'est Kaker. Ouais, ah bon, je sais pas comment on le dit, mais bon. C'est des céréales. Et ça aussi je vais pas manger maintenant. Tu veux? Tu veux? Non. J'adore ces biscuits. T'adores ces biscuits, mais on en achète presque jamais. Ouais. Bah tu sais pas, moi j'en achète tout le temps. Oh, on achète des trucs sans nous. Oh, j'ai deux. Allez. 3, 2, 1. Lettre A, c'était la plus facile à trouver. Et du coup, pour faire mon hamburger, j'ai pris la sauce burger de Amora. Et j'ai pris des Chupa Chups. T'en veux? J'aime pas les Chupa Chups. Tu préfères quoi? Les Chupa Chups ou la sauce? Ouais, vas-y, j'ai perdu quoi. Ouais. Maintenant, parce qu'Amélie n'a pas trop la lettre X. Tu veux quoi? Il y a Coca. Cola. Tiens. Coca. Coca, j'en laisse pour moi en fait. Ok. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Lettre N. D. N. C'était. Ah. Ah, tu sais pas, tu te rappelles pas. C'est Q. K. K. Elena. C'est K. Allez, vas-y. Et j'ai trouvé des kinders, un truc que je peux goûter parce que j'ai vraiment jamais mangé. Bon, on l'a jamais mangé, j'avoue, t'as trouvé où? Je pense que c'est une nouveauté. Ah, c'est écrit nouveau en plus en haut. Ouais, j'ai pris du tartare quoi. J'aime pas trop, j'ai pas très un plus donc voilà. J'avais pas beaucoup de temps, 15 minutes pour trouver 13 articles, c'est chaud. Du coup, j'ai pris tout ce que je trouvais. Mais c'est incroyable. C'est bon? C'est trop bon. Tu peux goûter? C'est une barre chocolatée, je crois. Je suis choquée, c'est vraiment bon. C'est ça. Y'a pas de goût. Du coup, ma mère, moi et Daniel ont dit qu'il y a pas de goût. Amélie a dit c'est trop bon. Mais c'est trop bon. Bon, allez, Daniel, tu dois aller au foot. Bisous. Dis au revoir. Il est timide, c'est pour ça. Alors, prochaine lettre. J'ai la lettre B. Y. Qu'est-ce que j'ai pris déjà? Moi j'ai pris du Ouais. Trop envie de goûter. C'est une boisson Bounty. J'ai jamais goûté. Mais c'est pas goûter. Logique. Je prends une boisson. Tu prends une boisson, aussi. Ça fait deux fois Amel. Hein. Franchement les yops, c'est trop bon. Surtout ça va, c'est à bon. Cette... Tiens, tu veux goûter? Oui. À cette saveur. Ouais, voilà. Moi aussi, j'ai trop la saveur framboise. Ton truc Bounty, c'est pas bon. Bah moi, j'aime bien. Alors, il nous reste deux lettres. Avant-dernière, R. J'ai pas trouvé le U. Non, mais là, en fait, t'es vraiment nul. Bah vas-y, dis-moi une marque avec le U maintenant. Mais maintenant. Ah, mais moi, j'ai vu plein de U. Hein. Ou avec X, maintenant. Bah, j'ai vu plein de X. Hein. Bon, ouais, moi, c'est quoi R déjà? Et s'il y en a plein, dis. Non, c'est bon. Voilà. Alors, j'ai pris encore à la caisse. Voilà, du Ricola. En même temps que les vitamines. Bon, j'ai pas trop envie de goûter, mais vous savez quoi? C'est un bonbon à la menthe. Moi, je veux goûter. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Maintenant, la dernière lettre, c'est tout. Le O. H. Et là, j'ai pris. Des croque-monsieur. Si on vous dit oh, bien sûr vous avez pensé aux Oreos. Bon, c'est une marque. Non, par contre c'est des Oreos, j'ai jamais goûté. De base je voulais, comme j'avais expliqué, je voulais des zéros. Des... Ouh, je vais réussir à parler. Je voulais des zéros. Je voulais des Oreos or. Or? Ouais, golden. En gros ils sont aussi ceux qui sont jaunes. Et en plus c'est les... Ah oui, je vois. Bon, j'ai plus trop envie de manger, je pense qu'on s'est assez régalé, du coup, c'est... Non, on va lui montrer comme ça, voilà, c'est au chocolat. On va le donner à Daniel après foot. Voilà,
c'est la fin de cette vidéo. Regardez le bordel qu'on a fait. J'espère que vous aimez bien qu'on change un peu de format. Donc là, c'était format au magasin. Peut-être bientôt on va faire des vlogs. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos dans ce genre. Bien sûr, vous savez très bien qui a perdu dans ce challenge. C'est... Amélia. Elle a pas trouvé de marque d'aliments qui commence par U et X. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous trouvez. On va voir s'ils vont trouver en commentaire, bah, du coup, une marque d'aliments qui commence par U et une autre par X. On va lire tous les commentaires et comme ça, vous montrer à Amélia que ça existe. Mais c'est pas grave, au moins ça m'arrange, elle a perdu, j'ai gagné. Voilà, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à la prochaine. Bye. Bisous.